dans le son. Hein. Vous êtes occupé à l'effeuillage, là? Oui. Oui. Ça dure longtemps, l'effeuillage, monsieur? Oh, ben, ça dépend un peu de la quantité. Mm-hmm. Et cette année-ci, la quantité? Ben, la récolte a été bonne? Oui. Il ne faut pas se plaindre. Naturellement, si ça dure longtemps pour l'effeuillage, c'est que celui qui en a 10 000 ou celui qui en a 30 000, ça fait une différence, n'est-ce pas? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui. Mais enfin, vous êtes content de la récolte, parce qu'on m'avait dit que la situation du tabac était assez mauvaise. Oui, jusque cette année. Les deux années précédentes, ben, c'est la maladie qui s'est mise, puis enfin un peu toutes sortes. Toutes sortes, c'est quoi, par exemple? Oui, ben, il y a les changements de temps, l'humidité, tout ça. Ça ne vaut rien, pour le tabac, la froidure. Mm-hmm. Le tabac, c'est une plante qui aime bien la chaleur. Et cette année-ci, il a eu de la chaleur? Ben, pas trop, mais il a fait sec. L'arrière saison était bonne, c'est ça surtout. Oui. Ah, oui. Et dites-moi, si vous n'avez pas fini les feuillages avant les gelées, est-ce que c'est dangereux? Non, oh non, aucunement. La plante supporte ça? Oui, qu'au contraire, même ça favorise le rétrécissement de la côte. Mm-hmm. Le séchage est plus rapide, en somme, si vous voulez. Tiens, ça c'est curieux. Et la maladie, ça c'est soldé par quoi? Qu'est-ce qui se manifestait? On ne sait pas le dire, quel genre de maladie se formait. Une tache de moisissure en dessous de la feuille. Alors, au début, on ne savait pas ce que c'était. Les agronomes sont venus dans les champs contrôler tout ça. Mais, seulement après des études, ils ont tout de même cherché de donner un nom à la maladie. Ils appellent ça le Prinospora. C'est un genre de mildiou de la pomme de terre, si vous voulez. Et on ne sait pas pourquoi ça a surgi. On ne sait pas d'où ça vient, non. Est-ce que ça provient du sol? Est-ce que ça provient de température ou de l'air? On n'en sait rien. Et ça n'était jamais arrivé avant? Jamais. On a déjà eu des maladies dans le tabac, mais on appelait ça la rouille. Mais ce n'était pas dangereux, ça. Ça ne se propageait pas aussi rapidement que cette maladie. Parce que cette maladie, 24, sur 24 heures, n'est-ce pas, votre champ est envahi par ça. Et les résultats étaient catastrophiques la première fois. On est obligé de couper rapidement des tabacs qui n'étaient pas à maturité ni qui n'avaient pas leur jour de croissance, si vous voulez. Parce qu'une plante de tabac, régulièrement, doit avoir 100 jours. Est-ce qu'il est favorable, le temps, monsieur, au séchage? Pas très fameux, monsieur, pas très fameux. Qu'est-ce qu'il faudrait comme temps pour que le tabac soit bien? Il faudrait du vent du nord. Du vent du nord? Du vent sec. Et ces plantes que vous cultivez ici, est-ce qu'elles conviennent essentiellement pour la pipe, je crois, hein? Oui, spécialement pour la pipe. On ne fait pas de cigare avec? Le cigare, non, non. Le cigare, ça, c'est trop gras, trop pâteux, ça devient chic, comme on dit. Alors, monsieur, vous êtes bien là-haut? Oui, très bien. Dites-moi, est-ce que vous êtes content de la récolte? Oh, cette année, oui. Oui. Très content. Une bonne récolte, ça représente combien de kilos à l'hectare? Environ 2000 kilos à l'hectare. Et une mauvaise récolte? 800 kilos peut-être. Ça fait une différence. Ah, oui. Est-ce que dans l'ensemble, on peut considérer que la culture du tabac est encore rentable, oui? Oui. Si, évidemment, si le tabac était vendu à un prix normal. Un prix normal, ce serait quel prix, ça? Une quarantaine de francs le kilo, peut-être. Et pour l'instant, vous en êtes à combien? Pour l'instant, cette année-ci, l'année dernière, on a vendu à 35 francs. Mm-hmm. Et vous espérez plus cette année-ci? On espère, oui. Bon, nous aussi, nous le souhaitons. Vous êtes de la région? Oui, je suis de Bohain. Alors, vous avez toujours vécu dans le tabac, toujours, alors? Toujours. Vos parents, vos arrière-parents? Oui, toute ma jeunesse. Alors, il y a une question que je vais vous poser encore. Est-ce que les planteurs fument beaucoup? Ben oui, oui. Mais beaucoup la cigarette aussi. Et beaucoup la cigarette, c'est une trahison, ça. Oui, oui. Alors,
35 francs le kilo, là, ça m'a l'air d'être un beau prix. Ça, vous avez obtenu ça, alors, l'année dernière. Oui, c'est un prix rémunérateur. Et ils ont tous eu autant, tous les planteurs. Oui. Suivant un peu qualité, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est un prix raisonnable. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord du tout. Premièrement, les 35 francs dont monsieur parle, c'est 35 francs sur le beau choix. Et nous devons faire trois choix. Premier, deuxième, troisième. Le second choix nous a été payé peut-être à 28. Et le troisième choix, la moitié du premier, donc 17,50. Donc faisons une moyenne, il est bien loin d'être 35 francs. Oui, et sur une récolte, vous avez toujours les trois choix ou bien... Nous avons toujours les trois choix. Et je vous dirai qu'on devient toujours de plus en plus difficile. Alors ça ne va pas. Donc, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et c'est à cause des acheteurs, c'est à cause des prix. Je ne sais pas si c'est à cause des acheteurs. C'est peut-être à cause du service de recherche, qui nous oblige toujours à faire du premier, du deuxième, du troisième choix. À cause du service de recherche. Et pourquoi est-ce qu'on vous impose ça? Je n'en sais rien. On nous impose pour pouvoir arriver à une belle qualité. Et vous, monsieur, alors, avec vos 35 francs, là, c'est que vous ne produisez que du premier choix, alors? Mais nous devons tenir compte que nous avons une prime de la province et de l'État. Qui se chiffre à 3, 4... jusqu'à 5 francs le kilo. Ouais. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de planteurs qui ont abandonné? C'est l'exode de la jeunesse. L'exode de la jeunesse, enfin, si la jeunesse décide de quitter, c'est qu'il y a des raisons, quoi. C'est pas pour le goût de la planture. Travail de la terre, ça ne plaît plus aux jeunes maintenant. Ça ne plaît plus aux jeunes. Ça ne plaît pas aux jeunes parce que le travail de la terre n'est pas payé. Monsieur dit ici qu'on a obtenu 3, 4 et 5 francs de prime. Je conteste. Car beaucoup n'ont même pas eu 2 francs. Moi-même. Et bien les autres. Il y en a beaucoup qui ont eu 1 franc. Il y en a qui ont eu 2 francs. Il y en a qui ont eu 80 centimes. Alors comment faites-vous le calcul? C'est qu'ils avaient de mauvaise qualité. Mauvaise qualité, mauvaise variété. S'ils avaient produit du premier choix, n'est-ce pas? Ils auraient été rémunérés. Je conteste encore ici, car des familles sont deux planteurs. Moi, je suis planteur, ma femme est planteur. Eh bien, dans le même tabac, on a eu deux différentes sortes de prix. Ah, c'est comme ça. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Mais du tabac qui était cultivé, la même chose. Le même engrais, le même terrain, le même séchoir. Oui, puis il y a aussi la question que depuis quelques années, on a presque obligé aux marchands à planter une variété de tabac. Hein. Tout le monde doit planter le même tabac. Oui. On avait avant certaines variétés qui donnaient beaucoup plus de rendement qu'actuellement. Avant la guerre, nous avions des variétés qui nous donnaient, comme monsieur vient de dire, jusqu'à 10 kilos les 100 pieds. Vous travaillez toute seule, souvent, tout ça oui, ici? Oui, oui, oui. Ah, écoutez, il faut qu'on respecte ma maman, hein. Il y a longtemps que vous faites ce métier, madame? Entre 35 et 40 ans, allez, à peu près. Ah oui, alors ça, c'est pas mal, oui. Ça. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements? Non, ça peut être toujours la même chose, à part qu'on a eu la maladie. Mais autrement que ça, je vois toujours que c'est la même chose. On a changé les variétés, je suis d'accord. Mais autrement que ça, non, c'est toujours le même travail. Toujours. En ce moment, c'est les feuillages. Oui, c'est les feuillages, oui. Vous voyez, j'enlève les petites feuilles, n'est-ce pas? Les feuilles de base. C'est le numéro 3. Alors quand il y a une feuille d'accidenté, comme celle-ci qui n'est pas si belle, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2. Oui, et le numéro 1? Le voici, le numéro 1. C'est ce que tu payes le plus cher, voilà. Ce sont les belles grandes feuilles comme ça. Et quand il y en a une plus petite, on l'enlève. Et toujours, je recommence. Et alors, vous formez des petits faisceaux, vous les réunissez avec une lanière. Ah, c'est une feuille d'ailleurs qui sert aussi à les nouer. C'est une feuille, oui. Et pour arriver à faire ces belles bottes comme vous en avez ici... Oui. Eh bien, pour commencer, on fait des bottillons, n'est-ce pas, avec. Ce qui fait environ, quand le bottillon est plein, ce qui fait une demi-botte. N'est-ce pas? Oui, une demi-botte. Et avec deux bottillons, vous faites une belle botte comme ça. Voyez-vous, je les arrange au fur et à mesure. Comme ça.
On m'a dit que c'était souvent des femmes qui faisaient le tabac. En principe, c'est toujours les femmes, oui. Pourquoi? C'est pourtant certainement pas un travail facile. Oh, je vous demande pardon, monsieur. C'est le plus facile de tous les métiers. Ah oui? Ben, voyez un petit peu comme ça va tout seul. Regardez-moi ça. Et... Enfin, écoutez, vous êtes un homme, mais enfin, tant pis, n'est-ce pas? Mais une femme est toujours plus subtile qu'un homme, monsieur. Ah? Ah, voilà, tant pis, tant pis. Mais c'est comme ça. Alors, une femme fait autant de travail qu'un homme. Mais ces bottes, vous ne devez pas les transporter, tout aussi? Ah si, on doit les rentrer à la maison, dans son grenier. C'est le voiturier qui vient vous chercher ces bottes. Ah, on vient vous les chercher. Ah, naturellement. C'est naturellement. Ça. Et pour la vente, c'est un acheteur qui vient vous trouver oui. Également. Oui, c'est un courtier d'un fabricant, n'est-ce pas, qui vient. Vers le mois de mars, ça dépend des années. En fait, est-ce que vous aimez la plante? Est-ce que vous aimez la plantation du tabac? Ah oui, monsieur. Si je ne l'avais pas aimé, je ne l'aurais pas fait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas simplement par habitude que vous avez continué. Bon, c'est parce qu'on aimait les champs, n'est-ce pas, monsieur? On aimait ce travail. Eh bien, je vous félicite, madame. Ah, voyez-vous comment ça va? Le bel Manoc, n'est-ce pas qu'il était beau sans les cibles tabac? Oui, très beau, je vois. Oui. Merci. Vous ne voulez pas manoquer avec moi, non? Ça ne vous dit rien, je vois ça.